quoi ce machin. C'est normal là, le menu? Ça fait peur? C'est censé faire peur? Attendez, c'est censé faire peur ou pas? C'est un vrai jeu d'horreur ou je me fais troll là? Parce qu'on m'a dit que c'était un super jeu d'horreur, une démo qui fait flipper de malade. On teste? On va découvrir. Peut-être que c'est une bonne surprise. Allez, let's go. Nouvelle partie. J'ai peur aussi. Jour 1. Oula. Salut, je m'appelle Mita. Quel est ton nom? Je vais marquer Vénus, d'accord? J'ai pas envie qu'elle sache ma vraie identité. Vénus. Heureuse de te rencontrer, Vénus. Vénus. La dernière fois, j'étais tellement pressée que j'ai laissé tout en bazar ici. Tu pourrais m'aider avec tout ça? Mettre les vêtements dans le panier. C'est un troll, les gars, on est d'accord. On m'a dit que c'était un super jeu d'horreur. Attendez, on m'a trollé, je crois. Oh, je peux lui faire faire des cœurs. C'est bon, on a fini? Ah non, il y a encore des choses. Voilà. Allez, on va jouer le jeu. On va jouer le jeu jusqu'au bout. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Jour 2. Salut, Vénus. J'ai faim, du coup... Je voudrais manger quelque chose. Pourrais-tu m'acheter des ingrédients pour une soupe au poulet? Ça y est, ça commence à devenir très très bresson ce qui se passe ici. Une soupe au poulet. Acheter les ingrédients pour la soupe. Ah, la faim, regardez, la faim, elle se touche le ventre, genre j'ai faim. La première journée était bien remplie. Ça, c'est clair. J'achète où ton putain de poulet? Mais oui, mais je l'achète où ton poulet? T'es rigolote, toi. Ah. Nourriture. Esclave simulator. Non, mais les gars, ça me fait peur, je vous le dis. Ok, donc elle voulait une soupe au poulet? Vas-y, soupe au poulet. Wow, c'est ce dont j'avais besoin. Cuisinons-les ensemble, d'accord? D'accord, Mita. Coupez les légumes. Oh. Oh. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Ah oui, d'accord. Ah, je coupe les légumes, les gars. C'est incroyable. Ah, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ah, j'ai coupé la pomme de terre. Ah, c'est... en vrai, c'est satisfaisant. J'ai peur qu'il y ait un gros screamer qui arrive quand je fais... Je vous avais vu, ça s'est coupé direct. Jour 5. Vénus, je vais acheter une télé pas chère aujourd'hui. Elle est portable et possède une antenne. J'aimerais la prendre avec moi quand je sors faire un tour. Attends, elle veut acheter une télé et la prendre sur elle, avec elle, quand elle sort? Souviens-toi, tu peux jouer à des jeux pour gagner de l'argent. Pardon? Vas-tu jouer, gagner un peu d'argent et m'acheter cette petite télé? J'ai peur. J'ai peur, les cacatos. J'ai peur. Jouer à des mini-jeux pour gagner de l'argent? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va travailler comme tout le monde, frère. C'est très drôle. C'était très drôle, ça. Ok. Du coup, on joue à quoi? Vous pensez que c'est un troll à 72%? Vous pensez que c'est un troll, quand même. Hein. Ok. Électronique? Vas-y, c'est quoi le jeu, là? C'est quoi le jeu? Voilà. Et après... Ok, c'est un travail, quoi. Je travaille, quoi. Je suis ton esclave, effectivement. Je suis ton esclave, frère. Pour le moment, c'est très satisfaisant, hein, mais il y a des limites, quoi. Ok, donc on fait son taf. On fait son... Oh, j'ai plus 150 pièces. Trop bien. Et après? Ah, elle fait des petits cœurs, elle est mignonne. Elle est mignonne. Ah, nous, la télé portable, elle me fait flipper. Elle veut se balader avec une télé, frère. Elle est folle. Ok, venez, on fait un autre jeu. C'est quoi, ça? Ah, il faut le... Ok, j'ai capté.
Ah merde, je me suis trompée. Ok. Salut. Ah, j'ai pas eu de pièce avec ça? Électronique. Traitement. Plateforme. Ah, j'ai plus d'énergie pour jouer, c'est ça? Ah, il faut encore que je fasse ce machin? Mais je suis vraiment son esclave, en fait. C'est une blague. C'est quoi ce jeu-là? 200 balles pour débloquer des cassettes, là. Je sais même pas ce que c'est, en fait, ce machin. Je sais même pas ce qu'on est en train de foutre. J'ai payé ce jeu. Un jeu tapeur. Non, mais les gars, genre, vraiment, c'est ça, le jeu? Génial, on a assez d'argent pour acheter une télé, désormais. Acheter une petite télé. C'est quoi, la petite télé? C'est celle-là? Ah, ok. Ah, bah, elle est toute petite, sa télé. Voilà la moins chère et la plus facile à transporter, exactement ce dont j'ai besoin. Ok, c'est la moins chère, merci. Jour 20. Hé, Vénus, je suis si contente que tu m'aides. Au fait, cette télé, elle était sympa, mais elle s'est cassée tellement vite. S'il te plaît, aide-moi à déplacer ce placard à un autre endroit. C'est très lourd pour moi. Merci beaucoup, tu es mon préféré. Je suis son préféré ? Je suis son préféré. Jour 33. Vénus, cela fait juste un jour, mais tu m'as déjà manqué. Oulala. Oulala, ça me fait flipper. Je crois pas que ce soit un jeu d'horreur. Bah, on verra, les gars, on verra. Je crois que c'est un jeu d'horreur, on sait pas, les gars, parce qu'on m'a conseillé de faire cette démo, mais ça se trouve, c'est un gros troll, donc c'est la question qu'on se pose, hein. Ouais, mais là, elle me kiffe un peu trop, chelou, la meuf. Enfin, on est d'accord, elle est un peu chelou. Moi, je vous avoue, les cacatos, qu'il y a certaines choses qui me mettent mal à l'aise. Moi, mon instinct me dit, fais attention à ton cul, Soso. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ses petites fesses. Ok, alors, vas-y, Mita. J'aimerais que tu me rendes visite plus souvent. Mais je suis avec toi tous les jours, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes? Donne-moi un cadeau. Bah, prends un cadeau. C'est pour moi? Bah, c'est toi qui voulais un cadeau, non? Elle va sortir un fouet. Merci, merci, merci. Jour 37. Et Vénus, je me disais... Je voudrais te voir en personne. Ah, les problèmes commencent! Les problèmes commencent, les gars! C'est horrible! Elle va sortir un fouet! Le temps passe si vite! Surtout à ses côtés! Allez, on va voir ce qu'elle nous veut. Elle veut nous voir en personne? Si seulement je le pouvais. Je t'apprécie beaucoup, tu fais quelque chose pour moi chaque jour. Ah bah, c'est gentil de le notifier, hein! Je voudrais te remercier aussi d'une certaine façon. Calme-toi, calme-toi, frérot, calme-toi. Calme-toi. Oulala, 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 j'aime pas. J'aime pas, là, j'aime pas. Oh, tu sais quoi, j'ai une idée. Non, il vaut mieux pas avoir d'idée. Frérot, garde tes idées pour toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Reste loin. Reste loin. Tu es avec moi maintenant? Je crains le pire. Pose le téléphone. Comment ça, pose le téléphone? Elle me fait des menaces? C'est une blague? C'est une blague? Oh non. Attendez les gars, je crois la cam elle bug. Ok, donc là, je suis dans le jeu avec elle. Genre là, c'est moi. Mais en fait, je suis senpai. Je suis senpai, c'est ça? Qu'est-ce que je dois faire là? Bonjour. Putain, elle joue à la console, hein. Bonjour! Je pense que le jeu commence maintenant. Bon, bonjour, on va aller là. Ah, je peux... Ah ouais, il frappe. Ah ouais, mais moi, j'arrive pas à attraper la poignée, frérot. Ah... Oh! Mais on est chez moi? Mais on est chez moi, les cacatos? C'est ma chambre! C'est ma chambre! Regardez, il y a tout ce que j'aime. Un bureau rose et blanc, il y a même mon casque Hello Kitty, ma chaise rose.
C'est incroyable, il y a même mon coussin en forme de fleur qui est juste là. J'ai le même coussin. Attendez, je blague pas, hein. je blague pas les gars. Attendez. Parce que faut que je vous montre ça quand même, parce que c'est pas possible d'être aussi représenté dans un jeu. Et Kakato, j'ai le même coussin. J'ai le même coussin. Ils ont pris la photo de ma chambre. Ils ont recopié ma chambre. Je vous promets, c'est... Pour celles et ceux, les cacatos qui connaissent mon décor, dites aux nouveaux arrivants qu'on dirait que c'est ma chambre. Ça fait flipper. Mais putain, et elle aime les nuages. J'adore les nuages, j'ai des nuages partout. J'ai des nuages partout dans ma chambre. Non mais attendez, c'est une blague. Non mais c'est quoi ce jeu? Non mais attends, t'as vu le jeu là? On dirait ma chambre. On dirait que quelqu'un a mis une caméra chez moi. T'as vu ou pas? Regarde. Tout est pareil. Là, le bureau je le sens mal, et tout. Ce jeu, je sais pas pourquoi. Tu le sens bien? Normal. Ah, tu le sens mal? Non mais moi j'ai très peur du coup. C'est creepy quand même. Bon les gars, par contre, il y a un côté de la chambre très chelou. On n'avait pas vu ça. C'est quoi ce machin là? C'est un troll de conquête? Je sais pas, Super Marceau. Comment tu vas? C'est quelqu'un qui m'a conseillé ce jeu, les gars. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être fait le jeu pour moi. Je sais pas. C'est peut-être pour moi. Ok, il y a un message. Bloenan Sluctu Fanali. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Langage Fil Texture End. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Faut que je monte dessus? Voilà. Je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Faut aller dans la salle de bain peut-être, se laver. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Il y a un poisson. Et une machine à laver. Ok, je sais pas. Version du jeu dépassée. Exécuter le programme pour mettre à jour. Mettre à jour? T'as ça aussi? Alors non, Iconocan, ça je l'ai pas dans ma chambre. Ça je vous dis, je l'ai pas dans ma chambre. C'est ce bordel. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai très peur. Hein. Ah c'est moi qui l'ai déplacé. Putain, elle a une tenue de Yandere, là. Enfin, pas Yandere, mais vous m'avez compris, quoi. Pourquoi il y a un cœur brisé, là? Ils ont reproduit ma chambre. Et derrière, il y a ça. Ça fait flipper. Je sais pas comment faire. Oh, trouver les objets et les poser sur le scanner. Oh, d'accord, il faut que je trouve des objets. Attends, celui-là, je l'ai vu, il était dans la salle de bain. Ok. Celui-là, je l'avais vu dans la salle de bain. On va le mettre là. Il me faut un stylo et une cuillère. Le stylo. Oh, j'ai super peur, les gars. Le stylo et la cuillère, j'imagine que c'est dans la cuisine. C'est quoi ce bruit-là? Apporter au scanner, stylo, chouchou et cuillère. Je découvre tout comme vous, les cacatos. Hein. On dirait Doki Doki de ouf, genre. Mais c'est ça que j'aime. Merci, papier, c'est gentil. C'est gentil. J'ai le droit à des tartines. On dirait que c'est lui qui a fait le jeu d'horreur et il est content que je joue au jeu d'horreur. Oh, la tête qu'il m'a fait! Il a fait comme ça! Ah! Me fait peur. Ok. Elle est où la cuillère? Ah, elle est là. Je peux pas la prendre? Ah, voilà. Le troller. Mais comme par hasard, on dirait ma chambre. Ça fait flipper. Ok, je lui mets la cuillère. Scanner les objets et démarrer le processus. Ok. Prêt à lancer.
Chargement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça va, messieurs? Où je me... What? What? Remettre le courant à la porte... Énergie faible. Redémarrer l'alimentation. Remettre le courant à la porte d'entrée. C'est une blague? Ok, attendez. C'est où là? C'est quoi ce machin? J'ai peur. Ça a marché? Ça n'a pas marché? Oh putain, deux salles, deux ambiances, les gars. Trouver les batteries serveurs et les retourner à l'appareil. Mais elles sont où les batteries serveurs? Qui es-tu? Qui es-tu? Imagine, y'a Conker dans le canapé! Non mais les gars, je suis pas bien là. Comment ça, qui je suis? Faut que je trouve ces batteries, mais elles sont où ces batteries? Elles étaient là. Il y avait marqué ne me vois-tu pas? Ça s'est effacé. Et il y a marqué tu veux jouer maintenant. Je veux jouer à quoi? Je veux jouer à quoi, frérot? Je veux jouer à quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Je veux jouer à quoi? Attendez, c'est une blague. Attendez, c'est incroyable. Attendez, ce jeu est incroyable. Non mais là, vraiment, je kiffe de ouf. Ah, je suis bloquée. Je suis bloquée. Je suis enfermée. Elle m'a enfermée. De la batterie. Pff, on était 70% à penser que c'était du troll quand même. Oh putain, j'ai peur. Qui es-tu? Qui es-tu? Y a pas quelqu'un qui bouge là-bas dans le fond? Ou je rêve? Y a quelqu'un qui bouge au fond, non? Ok, on y va. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et je vous dis qu'elle était là, putain! Je savais qu'il y avait quelqu'un! Vous me faites confiance? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, vous aussi? Mais attendez, je suis où, là? Dans la cuisine? Mais ça n'a pas de sens! Mais ça n'a pas de... Les pommes sont prohibées. Ah bah, ça va être dur pour moi. I love you. Bah pas moi. Je t'aime pas, moi. Moi, j'aime Conquerax, hein. Des malades. Les pommes sont prohibées. Les bananes sont prohibées. Mais vous avez pas vu la fille dans l'encadrement de la porte? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a marqué quoi? Summer? C'est l'été? Ah bah ouais, l'été, cruel summer. Hein. Summer pour te tuer quoi. Et les carottes sont prohibées. Ok. D'accord. Je suis de retour dans le salon. C'est quoi ce bruit? Ta gueule, ta gueule. Love Note à la place du Death Note! C'est normal? Et là, regardez, c'est écrit comme Death Note ici, comme par hasard. Et là, il y a marqué Love Note. Elle veut me tuer en fait. Pourquoi il y a des papillons là? Qu'est-ce que c'est ces bêtes là? Ah, c'est des guêpes? Pourquoi il y a des guêpes, wesh? Qu'est-ce que c'est périmé? Oh là là, qu'est-ce que... Ah ouais, c'est la batterie.
Mais attendez, il y a combien de batteries que je dois trouver comme ça? Pourquoi les mouches sont attirées par la batterie? C'est dans la poubelle peut-être? Là, je veux pas savoir ce qu'il y a dans la poubelle, hein, je vous le dis. Il vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dans la poubelle, les gars. C'est elle. Elle a l'air d'être gênante. Elle a l'air d'avoir un sourire gênant, quand même. Ok, les caquettes, on va aller là. Mais la chambre, elle reste toujours très mignonne, quoi. Hein. C'est... Il y a un miroir, je peux pas me voir. Ok, on va mettre les batteries. Vas-y, go les batteries, go les batteries. Bah voilà, c'est bon. Aucun batterie serveur. Qui es-tu? C'est bon, non? J'ai réussi, non? On met aucune batterie serveur. 1 sur 4. Ah, il manque des batteries. Mais je les mets où tes putains de batteries en fait? Je comprends pas. Ah, ok. Une là. Ok. Et les deux autres? Les deux autres, on les met où? Une là. Pff, ça fait flipper, hein. Ok. Et une autre... où? Une là. L'autre, on la met où? 3 sur 4. Oula. Peut-être c'est une batterie, faut la mettre ailleurs, quoi. Peut-être c'est une batterie rigolote qu'il faut mettre ailleurs. Non? Putain, pourquoi le lit, il est un peu ouvert comme ça, là? Peut-être c'est une batterie qu'il faut... C'est quoi ce disque dur? Il n'y était pas tout à l'heure. Le cœur, il a l'air... Oh! Vous avez vu la tronche de la poupée, là? C'est une blague? C'est une blague? Elle me regarde! La poupée, elle me regarde! Regardez! Regardez, je vais là, elle me regarde! Oh! Oh non, c'est horrible. Non, c'est horrible. Non, ça vraiment, c'est horrible. Oh, ma hantise. Ah, je préfère Jean-Eudes, moi aussi, hein. Les caméras cachées, c'est plus ce que c'était. Putain, mais il me manque une batraille. Oh, elle a carrément une photo avec moi. Putain, l'autre batterie, je la mets où? Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Une cage où t'es enfermé? Mais attendez, mais c'est rempli de détails incroyables, les gars. Ça fait flipper de malade. Ok, faut qu'on... Qu'est-ce qu'il y a marqué, là? Qui est Miss Meta Univers ici? What the fuck? Je peux pas partir. Oh, excuse-moi. Tout va bien ici? Enfin, tout va bien ici. C'est une question, voilà, un peu débile, hein. La réponse est toujours au sous-sol. Franchement, les gars... J'ai un peu peur. Je sais pas où mettre la batterie. C'est là? Ah, c'était là. Démarrer l'appareil. Ok. Elle est toujours là, elle. Elle n'a pas bougé. Démarrer l'appareil. Version 1.9. Portail activé. Il y a les yeux de la poupée. Elle est redevenue normale. C'est... Ah, oh, putain. Tout est redevenu...
C'est quoi ça, c'est des fesses? C'est très très chelou, c'est vraiment bizarre. C'est... Ah, Conker, il déteste ce genre de délire. Ah! Oh la pute! On se rencontre enfin, j'en suis vraiment heureuse. Je sais que tu dois avoir des questions. Bah oui. Comme tu peux le voir, j'ai fabriqué cet appareil spécial pour t'amener jusqu'à moi le plus tôt possible. Mais pour une raison inconnue, tu as atterri dans la mauvaise version du jeu. Pour ça, je... Oh, c'est une longue histoire. Enfin, contente de te rencontrer. Nous sommes ensemble sauvegardés. On a vu sa culotte, frère! Allez à la cuisine. Pourquoi la cuisine? C'est quoi ça? Est-ce que cet ordinateur fonctionne? Ou est-ce qu'il est décoratif? Bien sûr qu'il fonctionne. Tout ce qui est ici fonctionne. Dans mon monde, j'utilise souvent mon ordinateur pour travailler. Je sais. Et à cause de ce travail, tu as prêté si peu d'attention à mon égard. Disons que j'ai besoin de quoi vivre et comment tu sais ça? La caméra du téléphone s'allume parfois. Mais j'ai jeté un œil. Tu sais, c'est pas très bien de faire ça. Enfin, c'est pas grave. Mais du coup, là, je vis avec elle au calme. Genre, on pose pas de questions. Qu'est-ce que c'est? Mon téléphone. Il avait disparu de ma poche. Oh putain, elle me suit. Comment a-t-il atterri ici? Ça n'a pas d'importance. Attends, j'ai une idée. Prêt pour prendre un selfie? Regarde ça. Quelle photo? Garde-la en souvenir. J'ai une question. Si je lance le jeu sur mon téléphone maintenant, je t'y verrai? Personne ne sera là. Tu portes des lunettes? Non, mais je peux les porter. Ça te plairait? Vas-y. What the fuck? Et voilà. Je les porterai tout le temps maintenant. Oh, les kinks bizarres. Ok. Et la télé? Combien de chaînes de télé sont accessibles ici? Ce n'est pas une télévision par satellite ou par câble. Elle est connectée à Internet. Donc tout ce que tu peux regarder sur Internet est disponible ici. La stalk... Eh, ça fait trop peur, les gars. Attends. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Des chatons? Oh, regarde! Des jus balèzes! Tu sais? Attends. Ah, mais tu fais des dingueries, toi! Tu veux du jus? Mais non, mange un cul! Refusez le jus. Drôle de publicité. Est-ce que Juice est mort? C'est ça. Et le jus provient de Juice. Non mais attendez, ce jeu est ouf, les gars! Ok. Mais elle boit un truc, elle. Ça va? Au calme, tranquille, on ne te dérange pas. Mais tu l'as jeté où? Tu l'as jeté où? Es-tu Mita? C'est bien moi. Es-tu Vénus?
Elle me suit partout, hein. Comment je me suis retrouvée dans le jeu? Laisse-moi t'expliquer. Elle boit du juice! Et maintenant tu es là. Compris? Bah tu m'as rien... Pas du tout, elle m'a rien expliqué. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on soit ensemble maintenant. Elle est Mimi quand même. Attendez, attendez, vous êtes sérieux? Elle est Mimi. Elle est Mimi. Ça, c'est Mimi. Donc le couteau en sang était ré... Ah! Qu'est-ce que tu veux, frère? Je dois faire quoi si je veux repartir? Tu veux déjà repartir? Je pense que ça devrait être possible, mais... Et moi, alors? Restons ensemble. Ok. Je vous dis, elle est pas Mimi. Hein. Un anneau? Hop, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, tu as faim? Cuisons quelque chose ensemble, d'accord? Mais attends, mais elle fait flipper de malade, là. Elle cuisine quoi? Mes entrailles? Ah, oh, c'est cringe de malade. Ce... Ouh là là, elle veut prendre le couteau, elle veut prendre le couteau. Là, aide-moi avec les carottes. D'où viennent les légumes? Je veux dire, juste à l'instant, il n'y avait rien ici. Vénus, nous sommes dans le jeu, tu te souviens? Allez, aide-moi. C'est quoi? Elle est en train de cuire mes entrailles. Je coupe vraiment la carotte, c'est trop stylé. Eh, c'est moi qui coupe la carotte, les gars. C'est Cooking Mama. Tu pourrais aller chercher les ciseaux? Ils sont dans la salle de bain. Ok, mais là, elle est occupée. Je peux peut-être m'enfuir. Vas-y, on se casse. Vas-y, on se casse, on se casse. Je peux peut-être m'enfuir. J'ai l'impression qu'on peut pas lui faire à l'envers et qu'elle contrôle tout ce que je fais, en fait. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est ce... Inspecter. Doc. On dirait elle a des cassettes de plein de mecs. Elle a fait ça avec plein de mecs. Donner les ciseaux à Mita. Putain, j'imagine elle était... Données transmises. Je peux pas arrêter le machin, là? C'est flippant. Tu es si mignonne, princesse. Ça me fait flipper. Oh, putain de bordel! Pour commencer, assieds-toi. Ok. On s'assoit. Elle va me bouffer, c'est sûr. Elle va te sortir un chianti. Donnez les ciseaux, donne les ciseaux. Ne dis rien, ne dis rien. Tu veux de la sauce? Non. Dommage. La nourriture a meilleur goût avec cette sauce. On peut discuter avant de manger. Pourquoi tu as besoin de ciseaux si t'as déjà un couteau? Je peux aussi ouvrir le sachet avec un couteau, bien sûr, mais je voulais que tout soit prêt pour ton retour. De façon à ce que tu ne vois pas les préparatifs. Je vais me faire des surprises. Yay. En vrai, c'est une sacrée surprise, hein. Pourquoi ne peut-on pas voir l'extérieur? Vas-y, on va demander. C'est une fonction de mon monde. Ça peut te sembler étrange, mais tu ne verras pas ce qui se trouve au loin. Je ne pense pas que ça se remarque tant que ça. Ça rend bien. Yep. Ça permet d'éviter de laguer. Laguer? Il y a des bugs. J'espère que tu ne tomberas pas dessus. Tout est comme dans un rêve. Tu comptes t'enfuir et tout oublier? Non, je me dis juste que tout semble tellement irréel et coloré. Mais tu sembles plutôt réel. Juste semble. Mais je suis réel, idiot.
Jolie maison, c'est confortable. Attendez, on va la détendre. Bien sûr. Et tu peux rester ici, ça ne me dérange pas. Et au contraire, je préfère ça. Quand est-ce que je pourrais rentrer? Tu as le mal de pays, pourquoi? C'est si chaleureux et agréable ici. Et il y a moi. Non, non. Je suis heureux de rester avec toi. Mais je suis inquiet. Que j'aurais pu oublier de faire quelque chose chez moi. Je suis soudainement ici sans m'y être préparée du tout. Désolée, j'y ai juste pas pensé. Bon appétit. Prends le temps d'apprécier ton repas. J'espère qu'elle va pas me tuer, wesh. Merci. Tu as pu tout finir? Pour moi, mon plat semble sans fin. Tu es levé. Oula, il y a un bug là. Il y a un bug. Mita, qu'est-ce qui se passe? Bâtarde. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce que tu vois et ressens. Ma vue est complètement brouillée. D'accord, je sais ce qui ne va pas avec toi. Essayez de marcher. Qu'est-ce que c'est? Des pilules? Tu te sentirais mieux presque instantanément. Tiens-toi devant le miroir. Prends les pilules. J'attends. Alors, comment tu te sens? Tu te sens mieux? Oui. Mais comment ça peut agir aussi vite? Vénus, on est dans le jeu. Et tout est très simple. Tu fais le moindre effort. Et le résultat est souvent bien plus important. C'est un des principes d'un jeu. La simplicité. Par exemple, une carotte. Tu n'en coupes qu'une. Mais trois seront préparés d'un coup. Écoute, tout ça arrive si soudainement. Cette situation me fait vraiment peur. Elle est où? Mita? Les débuts de l'étrange. Le poisson, il était dans ce sens-là, les gars? Elle a mis un truc dans ta bouffe. C'est cyberpunk, le délire. Non, mais en vrai, ce jeu est ouf, les gars. Vous en pensez quoi, les cacatos, pour le moment? Je le trouve incroyable. C'est une trop bonne découverte. Ok. Mita? Elle est où, cette con? Il y avait cette porte, l'autre fois? Mais attendez, elle est nouvelle, cette porte? Intrigant de ouf. Attendez, je vais la laisser, je vais checker cette porte vite fait. Hein? Mais la chambre, elle est là-bas? Attendez, quel est le fuck? Mais quel est le fuck, là? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce fuck? C'est quoi ces machins, là? Ça fait peur, ça fait peur. Bon, écoutez, on va aller la voir. On va aller la voir, j'ai trop peur. Mais what the fuck, la cuisine, elle était pas comme ça. Salut. Oh, tu es déjà réveillée? Comment es-tu arrivée ici aussi vite?
Tu étais là avec moi. Non? Tu étais figée devant le miroir. Je suis partie. Est-ce qu'il est arrivé aux pièces? Je les ai réarrangées. Comme ça, elles te seront plus familières. C'est-à-dire, les pièces ne sont plus en ligne, mais telles qu'elles sont censées être. Ce n'était pas nécessaire. Je veux dire, j'y suis déjà habituée. Je pense que tu te sentiras plus à l'aise comme ça. Elle a tout mélangé, genre. On dirait elle veut que je perde la tête. On dirait elle veut que je perde la tête. Elle fait exprès pour me faire perdre la boule, j'en suis certaine. Qu'est-ce que... Sur le livre, il y a marqué massacre. La pièce n'a pas eu le temps de charger, ça arrive, mais c'est horrible. Attends un peu. C'est étrange. On est dans le téléphone de quelqu'un? Et ce téléphone serait aussi long à charger? Non. C'est juste que tout ce qui est fait dans ce monde n'est pas parfait. Et nous sommes vivants grâce au cœur de ce monde. Le cœur? Typique, hein. On peut soit jouer avec la console ou jouer aux cartes. Choisis ce que tu préfères. Attends, il est où le truc où il y avait marqué massacre, les gars? C'est où que vous avez vu massacre? Cuisiner sans les mains? C'est là où vous avez vu massacre? Ah oui, non, là. Vous avez raison. Les gâteaux, c'est la vie. Les gâteaux, c'est l'amour. Mille et une façons d'éviter la responsabilité. Livre de cuisine. Recette de cuisine. Livrons-nous à la cuisine. Se beurrer la biscotte! Mange-moi! Se beurrer la biscotte! Et j'amassacre. Se beurrer la biscotte! Ah ouais, mais elle est chelou, elle. Hein. Putain, se beurrer la biscotte, les cacatos, c'est chaud. D'accord. Allons nous beurrer la biscotte. Ah. Attends, je vais... Pousse-toi. Ah. Bah ça y est, ça a remarché. C'est quoi ça? Alors. On commence le jeu? Je vais t'expliquer rapidement. L'icône donne le type d'action. Par exemple... Disons qu'elle affiche le cœur. Si tu as davantage de cœurs sur ta carte, que je n'en ai sur ma carte, tu gagnes. Pioche quelques cartes. Je valide le se beurrer la biscotte, on le trouve dans toutes les librairies. C'est le fou rire, les gars. Incroyable. Maintenant, c'est mon tour. Waouh! J'ai de bonnes cartes. Je commence. C'est ton tour. Elle a mis quoi? 5, 10. Voir les cartes. C'est quoi ce bruit? Ouais, mais moi j'ai pas autant de... Ah ouais, attendez, je vais mettre ça. La victoire est à toi? Action d'attaque. À toi. 3, 10, 5. Ok. C'est quoi ce bruit là? Vas-y, je vais mettre 3, 10, 5 aussi. Ni mieux ni moins bien. Action de défense. C'est ton tour. Putain, c'est une horreur. Hein. Ma victoire. Mais j'ai fait de la merde. Action d'attaque. C'est ton tour.
Bah du coup, je vais l'attaquer, hein. Comment ça, t'es victorieuse, frère? Action de défense. C'est quoi ce son là-bas? Mais oui, depuis tout à l'heure, on entend bim bim bim. Ça vient du placard. Un son? Quel son? Je n'ai entendu aucun son. Dis-moi à quoi ressemble ce son. C'est comme si quelqu'un frappait à la porte. Mais il n'y a personne là-dedans. Je vais vérifier. C'est vraiment étrange. Pourquoi? Encore. Qu'est-ce que tu fais? Il y a mes sous-vêtements là-dedans. Tu caches quelque chose? Pourquoi ne me crois-tu pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Je veux juste que tu sois avec moi. J'aimerais pouvoir te le promettre, mais que va-t-il se passer ensuite? Pourquoi te sens-tu si attirée par le placard? Je veux juste savoir ce qui produit ces sons. Juste. Ce monde. C'est juste ces quatre pièces. Ce n'est pas suffisant pour toi? Ne peux-tu pas juste essayer de rester avec moi? Refuser. Je comprends. Encore. Si tu veux savoir ce qu'il y a dehors, alors tu vas le découvrir. Maintenant. Vous entendez les bruits? Oh! Non mais attendez ce jeu les gars. Je veux la suite, le changement à la fin. Non mais les gars, je veux faire la suite. Il sort quand? Merci d'avoir essayé la démo du jeu, le jeu actuellement en développement. L'histoire est déjà écrite. Il vous reste beaucoup de choses à découvrir, mais nous souhaitons ajouter davantage d'interactions afin d'enrichir l'univers. Vous pouvez suivre l'avancée du développement et même nous soutenir sur Boosty. Vraiment cool, mais c'est que la démo. Oui, c'est que une démo, mon conquérant. Belle découverte, finalement, on m'a pas troll, en fait. Je savais qu'elle était cinglingling. Mais attendez, c'est incroyable. On entend encore les bruits du placard, ça fait trop bader. J'ai l'impression qu'elle fait ça à plein d'hommes, en fait. Hein. J'ai plein de questions en tête, mais j'ai aussi des petites théories. Alors, qu'en avez-vous pensé? Je kiffe, j'ai kiffé. J'ai trop kiffé. C'était incre. Créateur Elien Hayato. Félicitations, le jeu est terminé. La partie a duré 45 minutes. Mac and Cat, Unreal. Putain, mais c'est trop stylé. Genre, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est très fort. Elle dit souvent encore ce qui laisse à penser qu'elle n'en est pas à son premier. Exactement, le e-boover. C'est exactement ce que je me dis aussi. Vous êtes 80% à vouloir voir la suite. Et 15%, je ne sais pas, et 1%, donc une personne en fait, 4%, qui n'a pas aimé. Il y a une personne qui n'a pas aimé. Miside, voilà, Miside, si jamais vous demandiez le nom du jeu, je suis trop contente d'avoir testé ça avec vous parce que franchement, moi j'adore Doki Doki Literature Club. J'adore ce genre de délire. J'adore. Du coup, bah, je suis trop contente parce que ça va encore plus loin que Doki Doki, j'ai l'impression. Incroyable. Je vais me renseigner quand ça sort. J'espère que ça sort bientôt, comme ça, on se le fait. J'ai été choquée du début à la fin. J'ai été saisie du début à la fin, les cacatos. Vraiment, c'était incroyable. Miside. Incroyable. C'est clairement ton univers, là. T'as un décor mignon et tu fais de l'horreur. Non, mais oui, Xento, c'est vraiment mon univers. Je suis choquée. J'ai le même coussin que la meuf, quoi.